il y a espoir que c'est une nouvelle dynamique qui s'inscrit là. Je voudrais féliciter cette nouvelle dynamique. Mais comme quelqu'un, je m'inquiète d'une chose. Comment fédérer toutes les initiatives qui se réclament de la société civile et qui aussi publient des manifestes, des documents? Il y a là tout un foisonnement de documents. Je sais que vous, votre manifeste est bien spécifique, il est autour de la feuille de route. Ça, ça c'est une spécificité. Mais je m'inquiète de savoir comment est-ce que vous pensez travailler pour fédérer l'ensemble de ces initiatives qui foisonnent et qui, en fin de compte, n'ont pas encore donné quelque chose de concret. Maintenant, j'ai saisi l'occasion, quelqu'un a interpellé le politique pour savoir si la feuille de route était signée par les protagonistes. Non, la feuille de route n'est pas un accord. Donc, il n'est pas signé par aucun protagoniste. C'est une recommandation de la CEDEAO. Nous prenons ça comme une recommandation de la CEDEAO et nous essayons de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Donc, au niveau des politiques, nous nous battons pour que toutes les réformes qui ont été dedans soient appliquées et la société civile qui s'inquiète que la partie sociale n'est pas prise en compte. Et notre rôle à tous dit via notre réforme. Voilà, merci.